Bonjour, je suis Christian Richard, je suis le chef de projet Jaguar pour Nexter System. Je vous rappelle que ce véhicule Jaguar est développé en GME, c'est-à-dire un GME avec Nexter System, Renault Trucks et Thales Communication et Security. Il fait partie du programme EBMR, donc de Scorpion. Et je vous présente ici le premier prototype de ce Jaguar. Donc Jaguar est un véhicule de reconnaissance au contact. C'est un besoin exprimé et spécifié par la DGA pour l'utilisateur de l'arme française de la cavalerie, expressément. Et donc ça, il est appelé à succéder à la MX 10RC, à l'ERC Saguet et au VAB-HOT. Ce véhicule est un engin de reconnaissance. Il est un véhicule à roues qui est en mode 6-6 avec une architecture de char. C'est-à-dire que vous avez un pilote à l'avant, la tourelle au milieu entre le train 1 et le train 2. Et le groupe motopropulseur à l'arrière. Donc le groupe motopropulseur, c'est un moteur Renault de la gamme civile, customisé pour l'environnement militaire, accouplé à une boîte ZF automatique. Et il est accouplé ce qu'on appelle en U, c'est-à-dire que vous n'avez pas le moteur et la boîte en ligne, mais le moteur à côté de la boîte pour gagner sur la compacité en longueur du véhicule. La transmission donc sort par le centre du véhicule et descend sur le train numéro 2, avec une descente de mouvement, une boîte de transfert qui permet d'envoyer le mouvement au train 1 et au train 3. Donc ce véhicule est utilisé en terrain en mode 6-6, mais on peut aussi déconnecter le train avant quand on est sur route pour économiser les pneus et le carburant. La suspension du véhicule est une suspension à hauteur réglable, ce qui lui permet pour un véhicule de reconnaissance d'avoir le maximum de performance en tout terrain en position haute, d'avoir une position route facile à utiliser avec la vitesse maximale et d'avoir aussi des positions pour le transport ou pour les opérations de maintenance où la suspension est abaissée au maximum. Le train avant et le train arrière sont des trains directeurs, ce qui permet de raccourcir le rayon de braquage et donc la manœuvrabilité sur ce véhicule. Et les pneus sont des pneus de 14 R20 Michelin qui intègrent un dispositif d'affaissement limité en cas d'agression sur le flanc du pneu, le véhicule peut rouler plusieurs dizaines de kilomètres avec des pneus crevés et qui intègre aussi le système de variation de pression de gonflage qui est ajustable directement par le pilote pour les fonctions en tout terrain. Le réservoir de carburant du véhicule lui permet une autonomie de 800 km en régime stabilisé. Sur la droite de la tourelle, c'est une lunette panoramique stabilisée, mais une lunette optique. Très important sur la demande de militaires d'avoir une lunette optique pour la meilleure perception du relief et de l'environnement et aussi pour avoir un mode secours, quels que soient les fonctionnements électroniques du système. À droite, le chef de char possède aussi un viseur vidéo qui lui apporte la vidéo jour, mais aussi toute la partie vision de nuit avec une caméra thermique et forcément la fonction télémètre pour télémétrer les cibles ennemies. Donc la fonction observation du chef est faite de ces deux viseurs qui peuvent être fonctionnés l'un ensemble ou l'un séparément de l'autre. Toutes les images vidéo du viseur vidéo sont retransmises dans un micro-moniteur pour la lunette du chef. Le chef possède aussi autour de sa trappe une couronne périscopique de 7 épiscopes qui lui permet d'avoir une vision instantanée 360 degrés. Et le chef là, est vraiment pourvu complètement en termes d'observation. Alors le tireur, lui, sa fonction observation est vraiment orienté tir, c'est-à-dire que les viseurs, vous avez la même panoplie, une lunette de tir optique et une lunette vidéo, mais qui sont dans l'alignement de l'arme principale du véhicule, qui est le canon de 40. Donc la lunette optique à gauche, qui est une lunette optique spécifique pour ce véhicule, avec un bras oculaire qui rejoint le tireur qui est derrière dans la tourelle. Et la lunette, le viseur vidéo à droite, qui est un viseur vidéo, le même que pour le chef, hein, qui apporte aussi voie jour, voie thermique et télémétrie. De même, le tireur a deux épiscopes qui sont sous le tourello qui lui permettent de voir face à lui et notamment le bout de son canon, ce qui est très important quand il s'apprête à utiliser sa tourelle et à préparer le tir. La fonction observation de l'ensemble du véhicule et de la tourelle est aussi augmentée par l'utilisation de deux systèmes Antares, dont vous en avez un à l'extrême droite de la tourelle et un autre à l'arrière gauche. Ces systèmes Antares ont plusieurs fonctions dans le véhicule. La première fonction pour l'observation, c'est une vision proximale supérieure à 360 degrés
cette vision est transmise en vidéo aux opérateurs avec un bandeau 360 degrés. Et on en parlera tout à l'heure des informations qui sont mises sur le bandeau pour le prévenir des positions amies et ennemies. Pendant qu'on est sur l'observation, on parle de l'observation du pilote, qui est non moins importante pour la mobilité. Donc vous avez sur la face avant du véhicule, sur la trappe du pilote, trois épiscopes, dont un épiscope central qui permet de fusionner les images vidéo venant des deux capteurs qui se trouvent à gauche du pilote, un capteur intensification de lumière et un capteur thermique pour le pilotage de nuit. Alors évidemment, le pilote peut conduire sans sa protection et sans ses périscopes en ouvrant la trappe complètement qui bascule à gauche. Le pilote n'a pas besoin d'ajuster sa position. Le véhicule est aussi doté de caméras que l'on dit proximales tout autour du véhicule. Donc vous avez deux caméras à droite et deux caméras à gauche qui permettent de voir l'environnement proche du véhicule de 0 m à 50 m et une caméra de recul pour les manœuvres. Voilà, cet ensemble donne tous les moyens à tout l'équipage d'observer correctement le champ de bataille ou la manœuvrabilité du véhicule. Toutes ces images vidéo sont transmises et partagées par tout l'équipage grâce à la Vetronic commune Scorpion. Trois armes sur ce véhicule. La première, l'arme principale que l'on voit en partie centrale de la tourelle, c'est l'arme de 40 mm, de calibre 40 mm, de CTI, la filiale de BAE Nexter Systems, qui est une arme à munitions télescopées avec une culasse rotative qui permet une haute cadence de tir, des performances de létalité importantes par rapport aux autres moyens calibres, qui possède un chargement automatique qui est capable de tirer plusieurs types de munitions. On va citer particulièrement les munitions explosives, munitions flèches et surtout la munition programmable qui permet d'atteindre des cibles qui ne sont pas en vue directe. Ces trois types de munitions sont très facilement utilisables avec le chargement automatique puisque dès qu'on introduit une munition, le chargement automatique reconnaît la munition. L'opérateur dit « je veux tirer une munition explosive » et c'est fait automatiquement par le système. Donc ça, c'est l'arme principale. Elle permet d'engager des cibles du type du Jaguar à des distances jusqu'à 2500 mètres. Vous avez aussi une arme secondaire pour la défense rapprochée du véhicule qui est sur le toit de tourelle. Donc cette arme secondaire, c'est une arme de 7,62 qui est téléopérée avec une particularité sur le Jaguar, c'est que vous voyez, elle a ce qu'on appelle un système de mini-circulaire, c'est-à-dire que l'arme de 7,62 peut tourner indépendamment du viseur chef ou avec le viseur chef. Donc l'opérateur peut observer sans menacer l'environnement, ce qui peut être important dans les missions de temps de paix, et ce qui a été demandé, mais il peut aussi utiliser l'arme complètement asservie à son viseur, et donc le chef pointe et observe et tire avec cette arme asservie et son viseur directement dessus. Donc là, le système est doté d'une arme complémentaire qui est le missile. Donc c'est le missile MMP de MBDA avec dans un pod en tourelle. Donc là, sur ces images, vous avez le pod qui est sorti. En utilisation normale, le pod est rentré. Ce pod contient deux missiles MMP prêts au tir. Ces missiles MMP ont l'avantage de comporter un autodirecteur et d'être filoguidés, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés en deux modes. Soit le mode tir et oubli, je vise et le missile rejoint sa cible et la détruit directement, soit un mode de l'homme dans la boucle, c'est-à-dire qu'on pointe, on suit la vidéo de l'autodirecteur et utiliser la cible sur la trajectoire ou changer de cible en cours de trajectoire. Vous avez deux missiles prêts au tir dans le pod et deux missiles qui sont à l'arrière du véhicule, qui sont rechargés très simplement par l'arrière du pod. Deux types de protection sur ce véhicule, la protection passive, où là, le principe de cellule de survie a été pris en compte en spécification et en réalisation, c'est-à-dire qu'on protège essentiellement l'équipage à des niveaux très importants. Il y a un deuxième niveau qui est aussi la mobilité résiduelle, moins protégée, mais qui permet de dire que, quelle que soit l'agression, le véhicule ne sera pas arrêté. Donc la protection passive sur ce véhicule, elle est modulaire, c'est-à-dire que l'utilisateur, suivant le théâtre d'opération, il va pouvoir choisir des certains niveaux de protection. Et on peut dire, sans dévoiler des secrets, puisqu'on n'a pas le droit de parler des niveaux de protection, qu'il est vraiment au meilleur niveau de performance sur la protection balistique, mine et RPG avec un kit, mais aussi sur les engins explosifs improvisés, puisque c'est le premier véhicule avec le Griffon qui est conforme au nouveau SANAC de la catégorie. Donc ça, c'est la protection passive. Il est aussi doté de systèmes de protection active. Le véhicule n'en est pas équipé, mais il est prêt pour installer le système barrage qui est fourni par Thales sur ce véhicule. Donc barrage qui est un brouilleur IED. Le véhicule est aussi prédisposé dans le contrat
pour le système de protection active Diamant, qui est en cours de développement par TDA du groupe Thales aussi. Donc vous avez sur le toit de la tourelle le système de détection et de localisation acoustique. Vous avez aussi le système Antares dont on a parlé tout à l'heure pour la vidéo panoramique, qui fait aussi détecteur d'alerte laser. Donc le véhicule est prévenu quand il y a un tir laser qui est effectué sur lui. Ce type de détecteur, les informations sont immédiatement prises en compte par le système et via la Vetronic commune Scorpion et les applications opérationnelles commune Scorpion, ces données sont prises en compte, partagées avec les données qui viennent du SIX par les radios contacts, donc des véhicules qui sont dans le théâtre d'opération avec lui. Et ces infos, grâce aux algorithmes qui ont été fournis par la DGA et pris en compte par les industriels, on va fournir et présenter sur les images des opérateurs les menaces les plus importantes avec des priorités. Et on propose aussi une réaction et une riposte aux opérateurs. C'est le chef de char qui décide d'engager ou pas la menace la plus prioritaire. Et dans ce cas-là, le système réagit automatiquement. Il peut orienter le tourello sur une menace précise, dire automatiquement, ou la tourelle, tirer les fumigènes ou demander une esquive au pilote sur ses actions. Donc le tir réel, par contre, aux armes principales ne sera déclenché que par l'opérateur une fois que la menace sera vraiment prise en compte. Dans le domaine de la survivabilité, le véhicule est équipé forcément contre les attaques NBC. Il est équipé aussi de l'air conditionné, du chauffage, enfin de tout ce qu'on trouve dans un véhicule moderne, ce qui lui permet au global, sur un engin maximum de 25 tonnes avec une mobilité importante puisque c'est un véhicule à roues, d'être équipé en fait comme un char avec une fonction d'observation et d'agression du meilleur niveau possible.